Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je suis aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence et je reçois Samuel Ducroquet qui est ambassadeur pour le sport de France. Bonjour Samuel Ducroquet. Alors, en quelques mots, c'est quoi être ambassadeur pour le sport ? L'ambassadeur pour le sport, c'est un diplomate. Un diplomate qui a la responsabilité de mettre le sport au cœur de l'action extérieure de la France et qui est également la porte d'entrée pour l'ensemble du mouvement sportif qui a vocation à agir à l'international. Une fonction assez nouvelle ou pas ? C'est une fonction qui a une dizaine d'années, qui est née en 2014 et qui résulte en fait d'un constat. Le constat étant que le sport est un enjeu global, stratégique. Stratégie sur le plan socio-culturel, parce que le sport est pratiqué partout dans le monde, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre connaître le monde sans s'intéresser aux faits sportifs. Deuxièmement, sur le plan économique, c'est un domaine en pleine croissance. On parle de 2% du PIB mondial, les investissements sont colossaux. Donc là aussi, intérêt stratégique majeur. Et puis troisièmement, un fait politique important en termes de rayonnement international. Il suffit de regarder la concurrence exacerbée pour l'accueil des grandes compétitions internationales pour voir qu'il s'agit aujourd'hui d'un enjeu sur la scène internationale. Donc, en toute logique, impliquer davantage le ministère des Affaires étrangères, chef de file de l'action extérieure, qui dispose de cette expertise pour promouvoir les intérêts de l'État à l'étranger, était absolument pertinent. Vous avez des homologues à l'étranger ou pas ? Relativement peu. Alors, la diplomatie sportive n'est pas propre à la France, mais en qualité d'ambassadeur, nous sommes relativement peu. Et je pense qu'à la faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous aurons vocation à nous rassembler. Alors vous avez une certaine expertise. Vous avez été à l'ambassade de France pendant la Coupe du Monde du Qatar de football. Vous avez été à l'ambassade de France à Tokyo pendant les Jeux Olympiques, les derniers. Qu'est-ce que ça vous a apporté pour votre fonction donc de diplomate du sport ? D'abord, en ayant travaillé au Qatar, dans la préparation en effet de la Coupe du Monde de football, au Japon en tant qu'attaché olympique et paralympique, ça nous apprend d'abord à connaître cet écosystème quand même particulier. Parce que c'est un monde à part et un monde que le monde diplomatique n'avait pas l'habitude de fréquenter. Ouais. Mmh. Donc connaître les interlocuteurs, connaître leurs intérêts, les enjeux autour du déplacement d'une délégation par exemple à l'étranger, ce qu'on peut lui apporter en termes de visibilité grâce à la communauté française expatriée, savoir quels sont les enjeux économiques aussi pour toutes ces entreprises qui gravitent autour du sport, mais qui ne savent pas nécessairement qu'elles peuvent être aidées, accompagnées par les ambassades, les consulats généraux à l'étranger. Et apprendre des autres aussi, apprendre du Qatar, apprendre des Japonais, non ? Absolument, puisque le sport aujourd'hui, en fait, figure au cœur des coopérations bilatérales que nous mettons en place avec nos partenaires à l'étranger. Dans une feuille de route, un accord interinstitutionnel, nous avons le sport aujourd'hui, qui figure dans la plupart de ces accords, de ces partenariats. Donc le partage d'expertise, la volonté de travailler sur la performance, de travailler sur ce que nous avons appris de l'organisation des Jeux, ce que les autres pays ont appris de l'organisation des grands événements sportifs. Donc il y a une logique de réciprocité et c'est ça aussi la diplomatie. Logique d'influence aussi. Alors sur l'influence, évidemment, c'est un enjeu crucial, majeur. Un enjeu d'influence parce que... Organiser un grand événement sportif international à l'image des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est projeter un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes. En ce qui concerne les Jeux de Paris 2024, nous sommes attachés à déployer des Jeux à la fois spectaculaires, certes, iconiques, donc dans toutes sur tous les sites de compétition de Paris Centre, mais aussi responsables. Responsables sur le plan budgétaire, responsables sur le plan environnemental. Même si le budget va être dépassé quand même. Un petit peu. La Cour des comptes l'a annoncé. Avec de fait, l'impact somme toute mineur de l'inflation, qui était quand même record, mais qui a été particulièrement bien anticipé, notamment par la Solideo, dans la livraison des ouvrages olympiques. Et puis aussi des jeux solidaires, plus inclusifs, avec une égalité, une parité homme-femme pour la première fois de l'histoire dans les Jeux olympiques. Donc cette volonté d'organiser des jeux exemplaire d'une certaine manière, c'est aussi la manière de projeter un nouveau modèle à l'international. Donc là, on est dans un premier bilan quand même diplomatique. Hein. Je parle
de votre travail. Ouais. Vous avez beaucoup circulé, je suppose, dans le monde entier. Vous êtes plutôt satisfait, là, à quelques jours des Jeux ? Alors aujourd'hui, on est non seulement satisfait, mais on est fiers. On est fiers du travail accompli jusqu'à présent. Je tiens d'abord à saluer l'extrême mobilisation de l'État, évidemment, dans la préparation des Jeux, aux côtés du comité d'organisation, bien sûr, mais aussi des collectivités qui travaillent d'arrache-pied pour accueillir le monde. Et au sein du ministère des Affaires étrangères, on est en train de peaufiner, justement, ces dispositifs pour accueillir le monde, sur le plan consulaire, avec les visas, les milliers de visas pour ceux qui font les Jeux, les athlètes, les arbitres, les représentants des fédérations internationales, donc ils vont se rendre en France pour faire en sorte que l'événement ait lieu. Sur le plan protocolaire aussi, avec la préparation de la venue en France des plus hauts dirigeants de ce monde, des dignitaires internationaux. Donc ils seront des centaines à venir à l'occasion des Jeux, et on travaille aujourd'hui à leur préparer le meilleur accueil. Alors vous êtes diplomate, d'abord et avant tout. C'est quand même le retour des Jeux géopolitiques, dans le sens où depuis Moscou 80, Los Angeles 84, où l'aspect géopolitique a été très fort, là on retrouve un petit peu l'aspect géopolitique avec la problématique russe en Ukraine. Comment vous analysez ça, vous ? Bien entendu, les Jeux de Paris 2024 sont marqués par un certain nombre de défis, et les tensions internationales, les conflits en font partie. On ne peut pas le nier. S'agissant de la guerre d'agression en Ukraine, menée par la Russie avec le soutien de la Biélorussie, forcément, il y a eu un impact sur les Jeux, puisque le Comité international olympique a considéré que la Russie avait violé la charte olympique et, de fait, devait être sanctionnée à cet égard. Mmh. C'est la raison pour laquelle les athlètes russes et biélorusses viendront absolument, mais sous un statut d'athlète indépendant et neutre. Alors, on est aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Il y a l'aspect économique aussi très important dans vos missions. Est-ce que les entreprises françaises ont bénéficié de l'organisation des Jeux ? Alors, une étude récente a été publiée et a rendu des chiffres publics. Et on estime autour de 9 milliards les retombées en moyenne, les retombées économiques des Jeux sur la période 2017-2034, plus spécifiquement pour la région Île-de-France, évidemment la plus touchée. On a près de 90% d'entreprises françaises qui ont bénéficié des 2,7 milliards de marchés passés dans le budget des Jeux, ce qui est considérable. Et un nombre vraiment extrêmement important, on compte en centaines d'entreprises de TPE, PME, de l'économie sociale et solidaire. Donc il faut vraiment s'en féliciter. Cette volonté d'être inclusif aussi sur le plan économique, d'aller au-devant des acteurs de l'économie et de l'économie sociale et solidaire, c'est une réussite des Jeux de Paris. Donc c'est aussi des Jeux made in France. Ce sont des Jeux en grande partie made in France. Et puisque vous parliez de projection à l'international, d'étrangers, c'est évidemment un enjeu majeur maintenant pour nous. De grands fournisseurs, que ce soit les majeurs de l'économie, de la construction, qui ont contribué à la construction d'un village olympique et paralympique remarquable, avec de hautes technologies, des technologies durables sur le plan environnemental, comme des petites entreprises, des PME qui sont presque nées avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, en tout cas qui ont connu leur essor, elles vont bénéficier d'une exposition maximale pour se positionner à l'étranger désormais. Et bon, le ministère des Affaires étrangères a compétence sur le commerce extérieur, donc vous allez sans doute accompagner ces entreprises demain sur la conquête des marchés extérieurs. J'ai presque envie de dire, on va continuer d'accompagner ces entreprises, puisque le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère des Sports, avec Bercy, accompagne ces entreprises de la, comme on l'appelle, filière sport dans leur internationalisation. Donc dans un certain nombre de pays, on a d'ores et déjà des clubs sport, donc ces consortiums d'entreprises qui se rassemblent, ces entreprises françaises qui se rassemblent pour gagner en visibilité, pour gagner en efficacité et se positionner sur les marchés. C'est le cas au Qatar, c'est le cas au Japon, c'est le cas également en Chine, plus récemment au Sénégal, qui va accueillir les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, et puis bientôt en Arabie Saoudite, aux États-Unis, etc. Il y a une équipe de France, des entreprises du sport capables d'aller à la conquête des marchés extérieurs, et peut-être demain, dans 4 ans, à Los Angeles. Alors il y a une filière sport qui regroupe d'ores et déjà des milliers d'entreprises. Il y a aussi un GIE, un groupement d'intérêt économique, France Sport Expertise, qui rassemble ces entreprises qui ont envie d'unir leurs forces encore davantage et de se projeter à l'international, et qui ont d'ores et déjà prévu
en effet, de se rendre à l'étranger pour promouvoir leur savoir-faire, leur expertise, et puis nous l'espérons gagner des marchés et faire croître cette filière sport sur le plan économique. Donc il y a une filière que vous êtes en train de structurer à partir du ministère des Affaires étrangères. En partie, puisque, comme je disais tout à l'heure, nous travaillons étroitement avec Bercy et le ministère des Sports. Mais nous contribuons en effet à la renforcer avec des objectifs ambitieux qui ont été fixés, puisqu'on aimerait atteindre les 500 000 emplois dans le domaine de l'économie du sport d'ici 2030. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les Jeux ? Alors, pendant les Jeux, nous allons être confrontés, honnêtement, à l'embarras du choix. Parce qu'en fait, le monde du sport converge vers Paris. Ouais. Les fédérations internationales, les entreprises privées, les top sponsors, comme nous les appelons, les fédérations nationales également, les comités nationaux olympiques. Donc en fait, en l'espace de quelques semaines, nous allons nous vous épargner... Vous les avez à disposition. Exactement. Nous faut les avons en profiter, il faut les voir. Absolument. Et donc nous allons presque nous épargner des dizaines de déplacements à l'étranger. Donc ça va consister en plusieurs choses. Déjà, élargir notre réseau, nos contacts, puisque nous allons avoir tous ces acteurs présents. Ensuite, passer nos messages, intervenir dans de très nombreuses conférences qui seront organisées par les ambassades, les pavillons nationaux pendant les Jeux. Et puis, bien entendu, de nombreux entretiens bilatéraux au niveau politique qui se tiendront dans les couloirs des sites de compétition. Merci beaucoup, Samuel Ducroquet, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et nos podcasts. Au revoir. Bienvenue à Kinshasa. Je suis Aurélie Bazara Kibangula, la correspondante de France 24. Retrouvez-moi dans le journal Afrique et toutes nos éditions d'information pour vous raconter l'actualité de la République démocratique du Congo sur France 24. Aurélie Bazara Kibangula, l'une des 200 correspondants de France 24 dans le monde. Bonjour, on va procéder à votre identification. C'est une zone avec des contrôles fréquents car il y a eu de nombreux vols. À Fuenlabrada, en banlieue de Madrid, tous les contrôles de la police municipale sont répertoriés. Ce n'est pas une plainte, c'est un formulaire où l'on indique la date et l'horaire du contrôle. À chaque fois, les policiers ont l'obligation de remettre ce récépissé pour lutter contre les contrôles discriminatoires. Le fait d'enregistrer l'interpellation sert à prévenir ou à vérifier si nous faisons bien notre travail, en évitant un préjugé racial dans tout type d'identification. Cette police municipale est pionnière. Elle a été la première en Europe à mettre en place ce type de procédure. Je pense que c'est assez important que lorsque les policiers t'arrêtent, ils te disent pourquoi. Car la plupart du temps, les gens sont interpellés et n'ont pas de motif valable. Ils ne savent pas pourquoi. Ces policiers sont les seuls à faire partie d'une unité spécialisée créée il y a 16 ans pour lutter contre les discriminations. À Fuenlabrada, sur ses 200 000 habitants, plus de 15% de la population est issue de l'immigration. Une fois par mois, Oscar et José se rendent dans cette mosquée pour échanger avec l'imam. Si les gens ne te font pas confiance, ne te voient pas comme leur police, eh bien ils ne collaboreront pas. Bonjour, comment allez-vous ? Les deux agents ont appris les bases de l'islam. Ils aident la communauté musulmane à organiser la circulation lors de célébrations. La fête du sacrifice de l'agneau, c'est bien 2 mois après le ramadan, n'est-ce pas ? Exactement, et c'est là où on aura le plus besoin de vous. Avant de créer cet espace, ce dialogue, cette relation avec la police, notre communauté la voyait comme un ennemi qui la poursuivait, qui ne la défendait pas. Grâce à ce travail, à cette relation, cette confiance, les gens ont compris que cette police était aussi la leur. Mais les policiers ont encore du travail. Aujourd'hui, ils patrouillent dans les rues à la recherche de tags racistes ou xénophobes. Là, c'est une croix gammée. Ça engendre la haine et la discrimination. Nous éliminons ce type de tag dans les 24 heures.
créée pour lutter contre les accusations de racisme au sein de la police. L'unité espère former de plus en plus d'agents. Fuenlabrada se félicite de son modèle. La ville affiche un taux de criminalité 2 fois moins élevé que celui de Madrid. Fuenlabrada est la municipalité de plus de 50 000 habitants avec le taux de criminalité le plus bas. Et ce qui nous différencie des autres municipalités de la banlieue de Madrid, c'est ce modèle. C'est cette façon de travailler, cette section dédiée à la protection des droits humains. Forte de ce succès, la mairie a même décidé d'élargir cette initiative à toute l'administration. Une fois par semaine, Javier Boquesa rencontre les représentants d'une 30aine d'associations. L'objectif, favoriser le dialogue avec chacune d'entre elles. La discrimination, je peux aussi la subir, en être victime. C'est comme ça. Il y a des représentants politiques qui veulent faire avancer la cause de l'égalité et des droits humains. Et sans eux, on n'y arrivera pas. La police de Fuenlabrada est un exemple en Europe. Certaines villes françaises, hollandaises ou même portugaises s'en inspirent pour pouvoir développer l'initiative sur leur territoire. Événement. Du 26 juillet au 11 août, vibrez pour les Jeux de Paris sur France 24. Nos journalistes vous feront vivre cet événement planétaire en 4 langues. Tous les exploits, tous les résultats, toutes les médailles. Interviews, coulisses, réactions. Pendant plus de 15 jours, Paris accueillera des supporters du monde entier. Ils nous feront vivre leurs Jeux sur France 24. Les Jeux de Paris, du 26 juillet au 11 août sur France 24 et france24.com. Sao Paulo, aujourd'hui dynamique, porte encore les cicatrices de son passé. Dans ce bâtiment, des milliers de prisonniers ont été torturés. 50 n'en sont jamais sortis. Presidente Lula, o Estado nos deve isso. Brasileiros, nós merecemos que o governo se posicione. Des voix s'élèvent contre l'oubli, 60 ans après les horreurs des années de plomb. Merci. Des voix qui refusent de se taire, des mémoires qui réclament justice. Le Centre de préservation de la mémoire politique, un lieu de souvenirs et d'avertissement. Si você não olha o seu passado, você corre o perigo de repeti-lo. Un passé contesté, une enquête continue pour la vérité et la justice. Brésil, les années de plomb. C'est sur France 24 et france24.com.